Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Caturba subit une attaque, Caturba subit un assaut. Seule l'armée de garnison va pouvoir les défendre contre les éclairs de Taranis. Une armée pictonne. Je sais pas si je peux gagner ou pas. Il y a moyen que je gagne. Ça va dépendre de mon style de jeu. Et un peu de la chance. Un peu de la chance. Dans tous les cas, sinon j'ai une armée pas trop loin. Bon, on aura pas très ras du monde, quoi. C'est pas très, très grave. Et ça fera une armée de pictons en moins. En plus, ils sont pas à côté, donc le temps qu'ils auront. Qui recrute une nouvelle armée. Ah purée, ouais, c'est pas de chance. Là, j'ai pas de chance. Il pleut. Et quand il pleut, en général, c'est perdu. Et vous dites, qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous allez vite comprendre. Alors, j'aimerais bien... Ah voilà, ouais, ok, ils viennent de là. Ah, faut être doublement pas de chance. J'ai placé mes deux balistes. Donc, une baliste ici, une baliste là. La dernière... Parce qu'il faut bien la placer quelque part. Et mon but, ça va être de péter ces... Oh, on peut voir sur toute la carte. Hein? Comment ça, j'ai une carte? Je suis pas censé avoir deux cartes, je suis en légendaire. À moins que ce soit une particularité des batailles défensives. Ça doit être une particularité des batailles défensives. Ok. Bon, ça va être très simple si je clique là-dessus. Rien qui pèse. Ok. Ouais, je vois que le troupe. Je vois que l'unité générale ennemie. Bon, ça va. Ça doit être une spécificité des modes comme ça. Voyons ce que je vais avoir besoin de faire. C'est ça, je mets deux Vélites en formation carrée. Les Vélites, bon après, Rorari, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit des Vélites. En formation carrée. Les Vélites, cette fois, ce sont bien eux. Hop. Je les mets sur les murs. E2, je leur dis ne pas faire feu volonté. Mon général, je le mets derrière. Il retire le feu à volonté. Deastati. Seul côté. Ça viendra à changer. Hein. À mon avis, je vais changer mission. La plèbe. Ici, histoire de dire qu'elle est là. Quoi. Voilà. Plus nous embêter qu'autre chose. Et normalement, j'ai tout. Hein. J'en ai pas oublié. J'en ai pas oublié. Joli équeduc. Voilà, tu me dis qu'il trimballe de l'eau, c'est pas normal. Il a un petit peu été saboté justement pour éviter de passer par-dessus les murailles quoi. Sinon ça aurait été un peu facile. Voyons voir. Et puis bon, éviter aussi d'avoir trop d'eau quoi. D'ailleurs ça va jusqu'où? Ça traverse? Ça jusque là et puis après ça s'arrête. Original. Ok. Et ça délivre un peu d'eau quand même quelque part? Non, je pose la question. Allez, trêve de mentalité, rentrons dans la bataille du sujet. Alors, c'est là où il faut être bon. C'est tout se joue si j'arrive vraiment, comme je vous disais, à casser chacune des. Il fait feu à remonter. Non mais je lui dis non et il fait feu quand même. Le but ça va être de casser ce qu'il faut. Faudrait-il encore que j'arrive à le toucher. Voilà, ils avancent vite. Hein. Ils avancent vite et les tirs se font mal.
Bon, là, je veux bien que je l'ai un peu foiré. J'ai pas pris assez en compte la vitesse. Ah merde. Et là, faut que je le décale. Ah, ça, c'est pas ouf. Hop, je vais lui dire d'attaquer là. Allez, décale-toi, s'il te plaît. Oh, terrible. Oh! Alors là, j'aurais essayé, j'aurais pas réussi, honnêtement. Oh, bah alors là, il tire, là c'est terrible. Regardez ça, hop, ça veut pas. Alors là, sachez que j'y mets même pas de la mauvaise volonté, hein. C'est vraiment, ça veut pas. Hein. Regardez-moi ça, ça. Je sais même pas comment je fais pour mettre des buts pareils. Si j'étais aussi bon en foot, les gars, je serais milliardaire. Hein. Enfin, un vrai salaire de joueur de foot, là. Je peux vous dire que mon setup, il serait impeccable. Ouais, bon, bah, toutes les pierres, pas un seul qui est tombé. Bon, bah. On connaît ce genre de bataille, moi. Je le reconnais, c'est la débandade. C'est la dèche. Là, lui, il est censé bouger. En théorie, il est censé se dire, bon, bah, vu que je vais tirer sur un mec qui est là-bas, je suis censé tourner un peu. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Donc, je suis obligé de le forcer manuellement à tirer toujours au même endroit, ce qui fait que ça gaspille des munitions. La vraie question, c'est est-ce que là, par hasard, ça pourrait toucher? Ou est-ce que ça va plus toucher mes unités que les siennes? Ah, bah les miennes. Oh, non, il a failli se prendre un truc en tombant. Oui, continue comme ça, t'en as eu un. Ah non, ça c'est les miennes. Ça c'est personne. Ça c'est... Oui, c'est bien. Dommage. Toujours pas. Non plus. Non. Ah si, les miennes, tiens. Bon là, tu peux tirer sur la muraille, hein. Il y a que mes unités, donc là... Il s'est fait choper en plein vol. Oh, lui, il s'est fait vraiment choper en plein vol. Non plus. Ah, tu tires moins sur la muraille maintenant qu'il n'y a plus mes unités, c'est dingue quand même. Hein. Ah ouais, c'est... Vous avez vu ça? C'est dingue hein, quand même. Hein. J'ai plus mes unités, donc la muraille, non, 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 on veut plus tirer dessus, quoi. Général, à votre commandement. Ils sont quand même badass, les chasseurs gaulois. Ils ont une portée. Ah, ça déconne zéro, hein. Bon, eux ils sont trop confiants là. On va leur faire perdre de la confiance. Je peux te dire, hop, toi, sans tortue. Faut éviter de te prendre trop de projectiles. Mais ils sont confiants, mais c'est fou. Maintenez 30. Et vous êtes des guerriers celtes, hein, vous avez perdu. Ah oui, mais c'est vrai que je suis en légendaire. Ok, 19. Ouais. Allez bien, par contre, à 106, à 106, ils en peuvent plus. Hein. Général, ouvrez la ligne. Et général, qu'est-ce que tu fous, toi? Qu'est-ce que tu fous comme ça? Brave Romain, sans exception. En fait, une formation carrée, hein, si vous êtes des faiblards, là, ça va vous faire du bien, la formation carrée. Hop, bretteur d'élite, aïe. Moteur d'élite, ça c'est pas cool. Bon, allez. On va essayer de faire le plus de pertes. Je pense que comme ça, c'est vraiment une bonne formation. Eux qui tiennent, les autres qui rabattent dessus. Mais moi, bon, après, j'ai des unités très faibles. Et j'ai pas eu de chance au niveau des portes. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Allez, on va en accélérer. Oh merde. Ah, ça c'est pas cool. Ils vont prendre ma statue par l'arrière, même si je temporise un peu. Je vais être obligé de reculer, de me replacer.
Ils vont pas vouloir me lâcher, forcément. Écoute, si tu me lâches pas, moi je t'attaque par l'arrière, hein, y a pas de problème. Oh là, bah le jeu. Et bah alors, le jeu. Tu as du mal aujourd'hui, c'est la pluie qui te met comme ça? Bah alors, gousi gousi, hein. Des guerriers mercenaires gaulois qui tiennent bien, hein, bon bah. Ah ouais, bah oui, bah alors là, contre les générales. Ah, ils se baladent chez moi, eux. Par où ils sont passés? Ah, putain, ils sont allés jusqu'à là-bas? Ah bah, ils sont motivés, les mecs, hein. Confiant, enthousiaste, 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 confiant. Maintenez. Ah, quand même. Il s'est dit, bon, les mecs, on a perdu les deux tiers de nos payons. Peut-être falloir arrêter de déconner. Ah, toi, bon, là, sur ce flanc, c'est foutu. Lui, il est toujours en formation carré, donc il va tenir un peu moins mal. Ça donne du bonus de morale, ça. Hein. Voilà, une attaque par l'arrière. Compliqué, toujours compliqué, même s'il est proche du général. Ça reste des primes qui pèsent, c'est pas très fort. Hein. Ok, comment j'ai pu lui faire de pertes? 650, ouais, c'est pas des masses. 650. Bon, ça aurait pu mieux se passer si mes balistes daignaient tirer mieux. Bon, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis en plus, la pluie fait que j'ai pas pu prendre des rafales enflammées. Donc les dégâts étaient encore moins importants. Donc il me fallait encore plus de fois toucher pour casser le machin. Bon, bah, autant dire que compliqué. Allez, profite de ta courte victoire. On va faire une razzia chez les Gaulois. Hein. Ouais, risque de sécession élevé. Non mais ils sont passés où? Non mais déconne pas, ils sont passés où les mecs? Dis-moi où est-ce qu'ils sont passés, genre, enfin, juste pour la blague quoi. Donc ils peuvent venir piller et se barrer sans... Ok. Non mais pourquoi pas. Hein. J'ai pas de... Faut chercher à comprendre. Bon, est-ce que je peux recruter un autre général? Non, je peux embaucher un Servilia. Si, toi. Je vais te recruter, pardon, chez les Servilia. Je vais t'inciter à venir. Je vais t'adopter avec celui. Voilà. Et... Oh, t'as pas l'âge de te marier. Oh, t'es nul. Oh là là, tu sers à rien. Hein? Comment ça? Comment ça? Elle peut avoir un niveau? C'est quoi le délire? Oh, c'est buggy ça. Oh, c'est buggy ça. Oh, oui, c'est très buggy. Voyons. Soit, passons. Toi. Vite, toi tu es bientôt arrivé à Nomnetum, enfin. Ah bah non! Si j'allais à Nomnetum, c'est justement pour être tranquille. Bon, on va essayer de l'assassinat lui. Ah ok, comme ça.
Bah bien joué. Mais j'aurais pas pensé. Je me disais, je vais me prendre un retour de... Oh bah purée, retour de bâton. Ah, c'était où? C'était là. Ok. Mais il est même monté d'un niveau. Un duo. Bah continue comme ça, mon ami. Ah non, c'est les Namnet. Merde! Oh, c'était les Pictons que je voulais embêter. Ah, pardon. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Monter d'un niveau, toi, c'est bien, parfait. Entraînement. C'est compliqué là, tous les agents qu'il y a. Bon, ils viendront pas attaquer, mais. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Non, c'était ça. Risque 96%. Départ des Cornelia ou des Servilla, je sais plus. Ceux que je voulais forcer à la rébellion. Les Cornelia. Cornelia, je préfère. Cornelia, provoquer. Yes. Parfait. La résolution auto, mode équilibré, ça devra le faire. Et comme ça, il n'y a plus de Cornelia. La sécession la plus rapide de l'histoire. Voilà. Rapide, efficace. Oh, j'ai dû refaire des bâtiments. C'est pas correct. Pas grave. Ok, sécession jugulée. Donc maintenant, on passe en empire. Voilà. La création de l'empire. Donc empire qui me rapporte pas mal de bonus, hein. Taux de recherche, nombre d'édits, loyauté, etc., etc. Loyauté des parties, ça va m'aider parce que... commencez sacrément à me saouler, hein. Ça c'est bien pour la défense. Un cible légionnaire. Ah c'est bien ça, je préfère prendre ça. Ah, je peux mettre un édit. En Italia, on est bon. On va le mettre là? On l'a déjà? On en a déjà. En Africa? Ah, récolte des impôts, c'est bien. Ok les gars, suivant, qui veut m'embêter? Moi je vous attends, il n'y a pas de problème. Pacte de non-agression, m'en fous. Cartuba. Qui a osé venir faire un siège à Cartuba? C'est encore eux là? Je vais vous apprendre la vie, moi. C'est quoi ces pertes de tarés, là? Ils ont des hommes libres enrôlés, hein. C'est tout. J'ai des primes qui pèsent, la cavalerie, voilà. Bon. Bah on va mener une deuxième bataille sur le champ pour l'épisode. Je sais pas, j'ai juste à lâcher mes chiens. Premier degré, hein. J'ai juste à lâcher mes chiens, ils vont faire un carnage. En plus, j'ai eu des pertes, soi-disant, ça fait même pas un tour. Allez, on va les goumer. Hop, commencer le déploiement sec. Le déploiement convient, à part pour ça. Nos ennemis se
débattent aujourd'hui sur la défensive et selon nos conditions. Pas les leurs. Cela nous donne l'avantage. Ils viennent à mon contact, ils sont obligés, vu que j'avais avoir des renforts, ils veulent pas se battre. Ouais, des renforts, ouais. Super la tronche des renforts, toi. Les pauvres qui se sont fait fumer là. Et on leur se replace. Non, ils avancent. Hein. Je vais avancer un petit peu mes cavaleries pour escorter les unités quand même au cas où. Hop, si leur cavalerie me charge, je l'intercepte avec la mienne. J'en ai un peu plus de cavalerie, c'est la cavalerie légère qu'il a en plus. Oui. Voilà les mercenaires là, tu vois, les hommes libres. Ce que je vais vous en faire. Vous allez pas être libres longtemps, moi je vous le dis les gars. Ok, on lâche les chiens. On recule jusque là. Ah mince, j'en ai oublié une. Hop là on va les choper et là aussi. Et bien évidemment on va faire le tour pour aller choper là le flanc. Continuez de les poursuivre, vous les lâchez pas, je veux pas savoir. Là on a ce qu'il faut, je vais faire reculer un pouille à mon général au cas où. Hop. Là on va faire sortir un peu sur le côté. Ici pareil. Hop là on va s'avancer, on va combler le trou. Ok, on en a fini avec leur cavalerie, je vais aller choper leur unité à distance là-bas qui m'embête. Elle est où ma cavalerie de l'autre côté? On les a vus? On les a vus, on a l'air de les avoir. Hop, elle est là pareil. Je vais aller charger sur le côté. Là on fait charger, là on fait charger. Eux là, putain. Les jeunes celtes. Les chiens ils ont fait un boulot monstre. Hein. Les petites unités là, ouais, ça leur a pas fait du bien. Hop là, allez. La cavalerie elle est bien. Je vais envoyer mon commandant pas trop loin pour donner un peu de morale. Toi cesse le feu avant monter. Il faudrait que je le fasse reculer lui là parce qu'il est au il va être au contact après. Par contre les jeunes celtes faudrait les terminer quand même. Allez, charge donc, mon ami. Ça va pas lui faire du bien. Pareil, là, tu vas faire une bonne charge dans le tas. Il s'arrête la cavalerie de mêlée, donc... Ok là les frondeurs ils ont... Ils ont décidé de revenir, hop on va faire le tour s'ils veulent bien. Et on va charger. Nos chevaux sont friands de sang. Cavalerie. Hop, puis on va attendre le général ennemi hein. Bien le bonjour. Tu la vois ta connerie? Voilà, c'est la débandade chez l'ennemi. Les chiens ils sont toujours là, ils font leur café. Hein. Suivez les mecs, hein, faites-vous plaisir. Paré au combat et impatient.
Là, ce sera mon... Ça, ce sera mon général qui ira... Hop, allez, va récupérer le général ennemi, général, avant de te le faire piquer par les chiens. Allez, allez. Les chiens, ils ont pris tout. Hein. Hop. Bon, j'ai été donné gagnant avec combien 80, 70 ou 80% de perte. Oui. Oh, oui, pourquoi pas. Oui, c'est clair. Aïe, aïe. Hop, on lui laisse de petites unités survivantes. Non, je rigole. On rien lui laisser du tout. Hein. Les survivants, c'est pour les faibles. Alors, ça c'est bien. C'est bien. Ça c'est bien, ça va être une troupe de défense. Tiens, pourquoi pas, ça peut être une armée défensive. Par contre, hop, putain. Ah bah excusez-moi monsieur, je vous ai tranché la carotide, j'ai ma main qui a glissé là. C'est malheureux quand même, hein. C'est vraiment pas de beau. Hein. Ah là 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 là. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir se marier, elle? Toujours pas. Oups, pardon, c'est quoi le truc? 20 gravitas, ah. Ça c'est quoi ça? Envoyez un cadeau, bah tiens, prends ça. Envoyez un autre cadeau, hop, prends ça. Moi il me faut juste de la gravitas, hein. Le reste j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà, tiens, prends des cadeaux, tu seras content. Marie-toi. Ok. Et là, on va pouvoir lever une nouvelle troupe. Oh, ici, sinon. Oui, ici, c'est bien. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, oui, c'est vrai que je cherche une espionne aussi. Je vais zapper, là. Nous avons faim de bataille. À votre service. Au travail, les gars. Il est doux. Il est beau de mourir pour Rome. Voilà. Il est publié, blablabla, blablabla, très bien. Elle a monté d'un niveau, c'est parfait. 8. Ici, excusez-moi, ouais, je me suis trompé légèrement, ça, ce sont des choses qui arrivent. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention. Hein. Très bien, quand est-ce qu'il monte de niveau lui? Ok. Un ou deux... On va dire un bon coup quoi. Une action qui fonctionne plutôt. Une action qui fonctionne et ça devrait être passé. J'hésite à m'embrouiller avec Massilia là. Ouais là j'ai tout ça qui sert à rien donc j'ai bien une flotte dans le coin, non? J'ai pas de flotte. Ah oui, elle est là.
Hop, je vais m'approcher, je ferai le blocus de Massilia le tour d'après. Ok. Non, ils m'ont déjà fait ce coup là, devenir un état client, non. On connaît très bien. On connaît bien votre votre manière de faire. Oui, alors l'ordre public baisse un peu partout, c'est normal, hein, c'est dû au changement de régime, ils sont pas contents de passer dans un empire. Alors que pourtant je leur apporte stabilité, croissance, richesse, tout le bazar. Hein? Comment ça? Je peux perdre des droits? Oh. Et... Vous voyez le mal partout. Ah, ça, vu que c'est une troupe défensive, je vais retirer les toutous. Et je vais mettre quelques triaries en supplémentaire. Tiens, toi, dis-moi, je suis sûr que tu as envie de venir attaquer Arce qui est malheureusement sans défense. C'est ballot quand même. Hop là, eux. Voilà, Massilia. Un peu trop duré cette mascarade. Je suppose que non. Exactement, on va maintenir le blocus. Et on va les laisser venir, je pense qu'ils pourraient envoyer une troupe ici. Ils pourraient... Oh tiens, je t'ai oublié toi. Tiens, tu vas aller en Mana Grecia. Et là, on va y chercher une espionne, hein. Ah, c'est plus elle que j'attends, c'est dommage. J'ai besoin d'une assassin. Bon, je la garde sous le coude au cas où, mais... C'est vrai que j'en ai pas besoin. J'ai fait mon action... Non, j'ai pas fait mon action. Cool les Pictons. J'ai pas réussi, mais ça va. Ça lui a donné un peu d'expérience quand même. Voyons voir. Allez, on va finir l'épisode là-dessus pour aujourd'hui. On va juste attendre que le tour passe tranquillou. On va voir un peu si Massilia veut venir m'attaquer ou Picton ou autre. Bingo. Ah, mais ils sont plus que prévus, j'en avais vu que deux moi. Oh merde. Comment dire, j'ai un peu de regret là. Oh merde. J'ai pas d'unité à distance. Oh, double merde. Oh, ils ont des Touléos. Ils ont de la cavalerie tarentine. Oh, y a, bon, les Hoplites, pas ouf comme unité. Hein. Arrête de Massilia. Tous les omnibres en relais, on s'en fout. Ouh, elles sont bien entraînées celles-là, la vache. Donc, ils sont... Beaucoup. Ils sont beaucoup. Ça fait 7300. Hein? 7100. Non, 7200, c'est ça, 7200. Oh la vache. Ça fait beaucoup. Donc 7200 contre... 3280.
Un pour... Ouais. On compte ça et on compte ça en plus. Hein. Un pour deux. Un pour un peu plus de deux même. Mais bon, moi j'y crois. Bon, au moins lui faire beaucoup de pertes comme d'hab. Hein. Comme vous le savez, hein, la tactique, c'est on a beaucoup plus de rapidité de lever de... Pardon, de rapidité de lever de troupes. Allez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Bah, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Bon, merci d'avoir suivi, c'était Tiob. Ciao.